Major esports bookmaker, gg.bet. All esports events, all payment systems, quick withdrawals, and 24/7 support. Do not miss the League of Legends World Championship, the Kuala Lumpur Major and other epic tournaments. Follow the link and score big with your knowledge and luck. The first esports bookmaker. Salut tous les cavardinos. Aujourd'hui encore un tuto exclusif. Nous sommes sur le stream Twitch. Tous ceux qui me follow pas sur Twitch, c'est en description. On fait une grosse dédicace à Idin, Idemne, Anik Tamert aussi. Change de pseudo, arrête de mettre toutes les consonnes de l'alphabet sur ton prénom. Ok, big up à lui. Donc il nous a dit tuto quoi? Attends, tuto quoi? Parce qu'on va le faire en improvisation, tu me connais. La façon de penser sur CS, d'accord? La façon de penser sur CS. Donc je vais vous expliquer ma manière de penser, d'accord? Et qui a évolué avec les années, avec les mois, les heures de jeu, les milliers d'heures de jeu et plein de trucs comme ça, d'accord? Ma manière de jouer, ma manière de call, de lead, de voir les choses compétitivement au niveau casu, etc. a vraiment évolué. Donc, avant par exemple, quand on débute le jeu, la manière de penser c'est quoi? C'est du shoot, donc forcément tu veux juste tuer les gens et puis c'est tout quoi. Après tu veux juste tuer plus de gens et devenir juste bon. Ok, il faut savoir que CS c'est vraiment un jeu compétitif et pour moi la manière avec laquelle il faut réfléchir dans le jeu c'est comment gagner, d'accord? Et quand tu réfléchis à comment gagner, d'accord, c'est la première question que tu dois te poser, c'est comment gagner. Personne n'aime perdre dans un jeu vidéo comme ça qui est axé sur la compétition, d'accord, c'est un jeu de guerre et tout. Merci beaucoup. Et lui aussi regarde, Ashkane. Pourquoi vous mettez des pseudos comme ça là? Vous pouvez pas vous appeler Malek, Bertrand, Gertrude, Michel, Louise, ça m'échappe, hein, c'est classique quoi. Big up à toutes les Louises, on vous aime. Ok, donc la manière de penser c'est comment gagner, d'accord? Compétitivement, comment gagner? Comment est-ce que je peux arriver à gagner? C'est ce qu'il faut que vous vous dites. Et tu peux pas gagner seul, d'accord? Parce que le jeu est tellement dépendant du collectif à l'heure actuelle que tu peux pas aller en A, faire triple kill, ça t'est déjà même arrivé. T'avais gagné le round à toi tout seul, c'est-à-dire qu'il y a eu un trade, tac tac, t'as fait double entry kill, machin, tes potes étaient 5v3. Et tu leur as même planté la bombe. D'accord? Et tu leur as même dit, hé les mecs, cachez-vous, vous allez gagner le round, la vie de ma mère. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont se recomplé, ils ont fait de la merde, ils ont tous piqué un par un, ils se sont tous montrés et ils ont perdu. Ou alors, en CT, t'as fait double entry kill, t'as dit, hey, c'est B, hop, tu meurs en B, on s'en fout, t'es 4v2, et là, tes potes, ils arrivent pas à retake le bon site. Pourquoi? Parce que t'es dépendant du collectif. Et que le jeu doit être abordé de manière à ce que tout doit être synchronisé, tout doit être fait de manière la plus homogène. Faut beaucoup de réactivité sur les rotations, sur les rushs ensemble. Il faut rusher ensemble, il faut retake ensemble, il faut rotate ensemble, il faut faire des crossfire, il faut qu'il y ait des baits, que tes potes te disent je me cache, joue pour moi, tu te caches, joue pour moi, je te mets une flash. Pique sur la flash, je te mets la flash, toi tu me mets la flash. Viens on décale ensemble, on n'a pas de flash, viens on décale ensemble tous les deux, hop, bam, on décale ensemble. Donc voilà, la manière de penser sur CS à l'heure actuelle, c'est comment je gagne, d'accord? Et tu te dis, pourquoi je perds? Je perds parce que si t'es prétentieux, hein, si toi t'es trop fort et que tu crois que t'es trop fort et des trucs comme ça, et que tu te dis, bah moi je suis trop fort, je perds à cause de mes potes. Ok, bah comment tu gagnes toi maintenant? Comment tu gagnes toi avec tes potes qui sont des chefs? Bah utilise-les, d'accord? Demande à un pote de passer devant, comme ça tu vas refrag derrière, mais c'est du jeu d'équipe ça, d'accord? Donc la manière de penser, c'est collectif, et la manière de penser, c'est comment je gagne ce round, comment on doit gagner ce round, comment on va gagner ce round, comment on aborde ce round là maintenant, aller vite, aller lentement, jouer avec du stuff, sans stuff, il faut réfléchir à toutes ces choses là, d'accord? CS, c'est pas un jeu, c'est un jeu qui est un mirage, d'accord? Qui a un effet d'optique. T'arrives, t'as une souris, t'as un clavier, tu vois pas ton personnage, t'as juste un viseur. Et toi, tu crois que t'as ta calache et que tu dois tuer tout le monde. Et c'est un effet d'optique, ça. CS, c'est pas ça. CS, c'est un jeu collectif. C'est un jeu où, malheureusement, ou heureusement, c'est quand même l'aspect vraiment que, enfin, moi, que j'apprécie de ouf dans le jeu. C'est un jeu qui est très tactique, où malheureusement, tu peux pas faire la différence tout seul. Où c'était, tu faisais la différence tout seul il y a 2, 3, 4, 5 ans en arrière. Parce que le jeu n'était pas aussi développé, parce qu'on n'était pas aussi malin dans le jeu, parce que tout le monde faisait des erreurs, tout le monde faisait des rotates très rapides et tout. Maintenant, frère,
Tu peux rusher à 4B et aller en A avec la bombe, frère. Il y aura toujours une vermine qui t'attendra sur son BP qui aura pas bougé. Tu vas dire ah, pourquoi tu bait? Tous mes potes étaient en B. Bah, il va dire bah, j'ai pas vu la bombe, frère, donc j'ai pas rotate. Et il aura eu raison. Donc, il faut que vous pensiez comme ça. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto, ce petit talk show, ces petites choses vous ont permis de voir un peu différemment le jeu. Voilà, n'hésitez pas à regarder tous les tutos de ma chaîne, voilà, si ça vous fait kiffer. Abonnez-vous bien évidemment si vous n'êtes pas abonné, c'est important pour moi d'avoir ce genre de nombre que je peux compter et tout, ça fait plaisir. On approche surtout des 60 000 abonnés et ça me fait très plaisir. Donc si je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant, merci beaucoup. Passez sur ma chaîne Twitch, là où on est, on fait le petit tuto en direct. Vous l'aurez, bah, je sais pas quand, parce qu'on va pas se mentir, mais... J'hésite de ouf à envoyer des tutos en ce moment. Allez, bisous à tous, bonne rentrée, bonnes vacances. Je sais pas quand est-ce que je la mettrai. Mais faites du sexe, surtout. Faites du sexe, c'est important de faire du sexe. Ciao.